Lena Situation, Lena Marfouf, aura marqué les esprits lors cette Fashion Week parisienne. Le mardi 27 septembre, la vidéaste et influenceuse la plus puissante de France a fait parler lors du Etam Live Show, dans un look en string fesse apparente. Ce lundi 3 octobre, CIST cette fois-ci bien couverte que la jeune femme de 24 ans est apparue au défilé L'An 20, mais avec un détail très remarqué. En effet, vêtue d'un épais manteau blanc, bien au chaud, Lena Situation arborait une tresse interminable, de quoi rendre même jalouse réponse. Elle n'était pas la seule personnalité à avoir fait le déplacement pour admirer les nouvelles créations de Bruno Cialelli, directeur artistique de la maison de luxe française. Si Lena Marfouf était couverte d'un épais manteau, à l'instar de Camélia Jordana, elle aussi de blanc vêtue, Oratika, elle, avait décidé de dévoiler ses sublimes gambettes. Dans un ensemble bleu-gris, avec une mini-jupe, l'actrice de 52 ans était divine. La ravissante maman d'Angélica, 20 ans, son parfait sosie, était entourée de Luca Ionesco et de l'humoriste Farid Lopez pour ce défilé. Le premier rang du défilé L'An 20 était des plus prestigieux. La griffe L'An 20 a pu présenter sa collection printemps-été 2023, devant un parterre de célébrités. Anaïs de Moustier était ainsi assise aux côtés de Valeria Bruni Tedeschi. On a également pu compter la présence de Sarah Rafferty et Farida Khelfa, toutes deux auprès de la grande Isabelle Adjani. Les jambes d'Oratika font sensation. Coco Rochas, Ashley Graham, la rappeuse Doja Cat, son styliste Brett Alan Nelson, vêtu tel un étrange cosmonaute de guirlande métallisée, ou encore la chanteuse Ava Max et Erin Wilson ont aussi fait le show. Quelques heures plus tôt, Lena Situation avait déjà fait sensation avec son interminable tresse, lors du défilé Stella McCartney, qui a lui aussi attiré son lot de stars avec Tina Kuneiki, Tony Parker amoureux ou encore Paris Jackson. La Fashion Week vit ses derniers instants mais n'a pas dit son dernier mot.